Le marché parisien accélère sa hausse ce midi avec un CAC 40 en progression de 0,6%. Sodexo prend la tête du SRD sur un gain de près de 6%. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels et fait état d'une croissance organique nettement supérieure aux attentes au troisième trimestre. Fnac Darty est dopé par HSBC qui a relevé sa recommandation à l'achat sur le titre pour viser 100 euros. Dans le vert également le Crédit Agricole qui a démenti les informations de Reuters évoquant qu'elle souhaitait se séparer de ses activités polonaises. Du côté des baisses, à présent, on retrouve Tarkett qui chute de plus de 5%. Le groupe doit publier ses comptes du premier semestre le 25 juillet prochain. Le secteur automobile soutient la tendance sur des espoirs d'accalmie des tensions commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne. D'après des sources de presse allemandes, l'ambassadeur américain en Allemagne a déclaré que le président Donald Trump suspendrait ses menaces d'imposer des taxes douanières sur les importations de voitures de l'Union européenne si cette dernière levait celles sur les véhicules américains. Profitant de ces informations, Peugeot grimpe actuellement de 3% et Renault avance de plus de 2%. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.